Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle émission Parole d'art sur le 360.ma. Aujourd'hui, nous sommes à Marrakech, dans l'un des ateliers de l'artiste Mohamed Mlihi, qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui. Mohamed Mlihi est un pionnier, un artiste qui ne recule devant aucune nouveauté, aucun challenge, quitte à bousculer les codes et les mentalités de son époque. Après avoir poursuivi des études à l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, il s'en va parcourir le monde en multipliant les escales, de Séville à Madrid, en passant par Rome, la France, mais aussi New York. Autant d'escales dans le monde qui vont nourrir son travail et influencer fortement son œuvre. De retour au Maroc en 1964, il va tenter d'établir des ponts entre l'art moderne occidental, l'art africain, l'art populaire marocain, quitte à susciter de nombreuses incompréhensions et à bousculer les mentalités. Pour mettre en œuvre ce changement et cette manière de voir les choses, il va enseigner, créer des revues artistiques, des manifestations culturelles, de nombreux événements, tout cela dans le but d'instaurer une nouvelle manière de voir les choses. Mohamed Mlihi est donc un artiste curieux de tout, un homme tout-terrain, insatiable, dont la peinture est à son image, c'est-à-dire sans âge, et qui a fortement influencé l'histoire de l'art au Maroc. Mohamed Mlihi, merci de nous recevoir dans cet atelier de Marrakech aujourd'hui. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Merci à vous. On va commencer cet échange en faisant un petit bond dans le temps, enfin un grand bond dans le temps plutôt. On est dans les années 50, vous décidez de quitter le Maroc pour aller parcourir le monde. Quelle est la situation de l'art dans ce Maroc-là? La situation de l'art, à ce moment-là, c'était, en ce qui me concerne, c'était plein de rêves, c'est-à-dire de pouvoir accéder à un mode de vie, un mode de réfléchir et de voir, toujours avec une pensée d'émigrer. Bien sûr, c'était une forme de migration avec retour. En ce qui concerne la situation artistique au Maroc à ce moment-là, elle était très bonne. À peine, il y avait des situations qu'on pourrait dire, il y avait de l'intérêt, c'est-à-dire au moins de ceux qui ont commencé à mettre la main dans la matière. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Maroc, à l'époque, sur le plan structure, d'éducation, il n'y avait pas d'école. Bon, encore jusqu'à nos jours, il n'y a pas une académie d'art qui pourrait comporter cette appellation. Il y avait une école des beaux-arts de Tétouan qui a été créée. Bon, pendant l'époque du protectorat, certaines structures ont été créées par des raisons d'habitude. Il fallait les faire, mais sans une idée à quoi ça va servir et quelles sont les retombées de cette école, quel genre d'art, quelle forme d'art on va enseigner aux jeunes. Donc l'enseignement qui existait à l'époque à Tétouan, avant Casablanca bien entendu, était calqué sur le modèle académique occidental, européen, et en particulier l'enseignement de l'Académie espagnole, donc dans la zone nord. Et il ne faut pas oublier aussi que les événements, parce que, il y avait beaucoup d'événements d'abord. L'événement important, c'était un réveil chez les Marocains de rêver qu'un jour le Maroc ne serait plus géré par des administrations étrangères. C'est le mouvement nationaliste. Et c'était une période où tout était oral et verbal, les communications de bouche à oreille, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui, pas de réseaux sociaux. Donc ce que la génération déjà mûre qui pouvait réfléchir et faire un discours sur la volonté d'acquérir une liberté, de se libérer du joug colonialiste,
la jeunesse et les enfants, nous étions exposés aux arguments des grands, n'est-ce pas? Ce que fait que, à mon époque, pendant mon jeune âge, avant et pendant l'adolescence, j'étais très bien au courant de ce qui se passait en ce qui concernait la température nationaliste. Mais en même temps, il y avait aussi un background. C'était la dernière guerre mondiale, les années 45-55. Nous sommes entre la fin de la dernière guerre de 10 ans entre la fin de la guerre et l'indépendance du Maroc. Donc cette décennie, c'était un laboratoire d'idées. Toute la jeunesse rêvait à faire quelque chose. Mais moi, je faisais partie de ceux qui rêvaient beaucoup plus. Pendant que nos parents souhaitaient qu'on soit des ingénieurs agronomes ou des médecins, c'était le seul objectif qu'un enfant devienne médecin ou ingénieur agronome, par exemple, pour ceux qui possédaient des terrains, ou un avocat, c'est-à-dire donc, un juriste. Donc ça, c'était c'est les canevas où on pouvait rêver à devenir. Mais ceux qui, comme moi, qui ont choisi la discipline de peindre, c'est-à-dire de transmettre des idées à travers le visuel, soit les dessins ou la peinture, mais nous étions aussi attentifs à savoir qu'est-ce qui se passait dans la scène. Donc vous quittez un Maroc en pleine effervescence, pleine émulsion, vous partez à la conquête du monde à votre manière. Est-ce que vous êtes déjà animé de cette volonté de changement? Comment est-ce que vous pensez à cette époque-là apporter votre pierre à l'édifice, si du moins c'est votre démarche? Non, mais nous, c'est-à-dire nous n'étions pas vraiment des constructeurs. Nous étions des rêveurs et des assoiffés de liberté. Parce liberté que vous partez chercher ailleurs. Oui, parce que ailleurs, on se sentait qu'on allait être libre. C'est-à-dire qu'on va s'échapper du poids conservateur, le poids religieux, le poids de manque d'information, de manque d'éducation. C'est un poids terrible quand vous êtes dans une société qui ne sait pas où se donner de la tête, il n'a pas des objectifs. Manque d'une éducation structurée, manque d'en parler d'une langue, qui donne des idées, qui fait développer la pensée de l'individu. C'est vrai, il y avait une culture tellement poétique, tellement riche, mais on ne savait pas comment y arriver. Il fallait prendre parce la distance. On n'avait pas les moyens. Ouais. Et il faut reconnaître que le contact prompt avec l'Occident nous a permis d'avoir des outils pour analyser notre culture, ce que nous faisons maintenant. Alors, quand vous revenez au Maroc, qu'est-ce que vous ramenez de plus précieux dans vos bagages? Ah oui, c'est vrai. Ben, ça, c'est une bonne question et... Je crois que les autres pourraient parler de ça mieux que moi. Mais je suis revenu au Maroc. Bien sûr, je fais partie de la génération de Marocains qui étaient pressés d'aller ailleurs, s'enrichir et venir vite de retour au Maroc pour faire bénéficier le Maroc, pour dire aux autres qu'est-ce qu'on peut faire et quel genre d'être nous sommes. Le contraire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, toute personne équipée d'une certaine intelligence, il veut émigrer. Et ça, c'est un mauvais signal. Sans revenir, vous voulez dire. Oui, sans revenir. C'est-à-dire partir pour faire une vie meilleure ailleurs. Et ça, c'est grave. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Maintenant, quel bagage j'ai ramené? J'ai ramené moi-même. C'est déjà beaucoup. Avec mes mythiques, mes habitudes, n'est-ce pas? Et il y a aussi, je ne sais pas si c'est le cas de le dire, moi
J'ai fait mes études dans plusieurs pays européens et en Amérique du Nord, moyennant des bourses. Des moyens, c'était facile à cette époque-là d'avoir une bourse ou en France ou ailleurs, dans les pays européens, etc. Et moi, j'ai terminé ma carrière, c'est-à-dire mon parcours en dehors du Maroc a pris 10 ans. J'ai quitté le Maroc en 1955 et je suis revenu en 1964. Alors venons-en à la peinture non figurative. Comment est-ce que vous y arrivez Je ne sais pas si j'ai eu la chance ou la non-chance, pour ne pas dire le malheur, de ne pas savoir réaliser, exécuter ce que les professeurs académiques exigeaient. Parce que en moi, il y avait, si vous voulez, une sorte de rebelle sous-jacente, n'est-ce pas? C'était un rebelle, mais sans le faire savoir, sans le manifester. Et j'ai suivi ma voie. Il y a aussi l'accident qui joue un rôle très important dans l'enseignement, dans la profession. Il y a le hasard aussi joue un rôle. Ça ne peut pas arriver aux individus qui ont fait des études sérieuses et universitaires, n'est-ce pas? C'est différent. Mais j'avais une sorte de comme pressentiment que c'est pas ça. Aller subir un enseignement traditionnel, c'était pas pour moi. Parce que je voulais faire beaucoup de choses et en même temps, enfin, c'est là où je dis, c'est un aspect de rébellion pacifique. Si vous voyez ma peinture, elle est très moderne, mais en même temps, on ne peut pas la détacher et la séparer de certains aspects de la culture marocaine ou nord-africaine, si vous voulez. La forme, la couleur, beaucoup de choses. Bien sûr, ça, il faut apprendre à l'observer. Est-ce que vous attendiez toutefois à susciter autant d'incompréhension? La société de l'époque a été quand même surprise par vos peintures. Comment est-ce que vous attendiez à ça et comment est-ce que vous avez fait du coup pour faire passer votre message? Je sais pas. Peut-être. Mon message, c'est le mien et de mes collègues. Je suis pas seul. Le message pictural, il est en cours de transmission. Hein? Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend du récepteur. Si le récepteur est prêt, est open-minded, il est prédisposé à croire à ce qu'il regarde et à croire à ce que vous lui proposez. Parce que l'être humain et surtout le genre de culture dans laquelle nous nous baignons, c'est de croire qu'il n'y a que toi qui as raison. Ouais. Et avec cette pensée, vous ne pouvez pas aller très loin. Vous restez vous-même là où vous êtes. Donc c'est anti-développement, ça ne vous permet pas de comprendre beaucoup de choses. Et il y a une sorte de violence, d'arrogance. C'est l'ego qui compte. Et ça ne vous permettra jamais, même si un art qui est le plus facile à recevoir, c'est la musique. Parce que lui, on ne peut pas intervenir. Le cerveau n'intervient pas sur ce que l'oreille entend. C'est ce qui vous a motivé, on va dire, à prendre le taureau par les cornes et à enseigner, à fonder des revues artistiques, des manifestations culturelles. C'était une manière justement de sensibiliser, d'éduquer
ce public qui ne pouvait pas forcément comprendre de prime abord? Non, mais ça vient d'une sorte de phénomène, c'est qu'on est consciemment, inconsciemment, du retard que nous subissons par rapport au monde, par rapport à la société humaine dans le monde. Nous sommes très en retard. Et quand vous sentez que vous êtes en retard, vous sautez sur le premier véhicule qui va vous emmener quelque part, vous sautez sur le dernier objet pour amener avec vous, vous voulez arranger les choses alors que... C'est ça. Alors, dans une société ultra développée, il y a les spécialisations. Vous faites un éditeur de livres, vous faites que les deux. Vous voulez faire vous faites que vous ne pouvez pas faire 36 choses. Et notre état culturel actuel nous permet de faire cette multifacette de l'action. Et bien sûr, imaginez-vous, dans les années 60, on commençait à peine à se libérer un peu de ce rêve cauchemar de l'indépendance, parce qu'on a rêvé d'une indépendance, mais on s'est rendu compte que cette indépendance n'est pas totalement bien faite, n'est pas totalement belle. Elle comporte des anomalies, elle comporte même des douleurs, donc des déceptions, n'est-ce pas? Donc, ça pèse, hein, et ça vous donne, vous donne une impression comme si vous êtes dans une grande chambre obscure, vous ne savez pas où se trouvent ni les fenêtres, ni la porte, ni les objets dont vous avez besoin. Ça, c'était une période comme ça. Bien sûr, ces deux pôles d'enseignement, l'art, Tétouan et Casablanca, qui sont encore un bon matériel à connaître et à étudier et analyser, n'est-ce pas? Et restons avec le mouvement de l'école de Casablanca, qu'aujourd'hui on découvre qu'il peut s'inscrire dans le même ordre de certains mouvements artistiques du monde. Et le mérite, c'est ça vient au Maroc. Ce qui vient au Maroc pendant cette période est unique dans notre hémisphère, c'est-à-dire une sorte de coopérative interdisciplinaire. Les peintres qui collaborent avec les écrivains collaborent avec les peintres, avec les poètes, avec d'autres disciplines. Donc, la décennie des années 60, les revues qui se sont produites à cette époque-là, sans les nommer, tout le monde connaît, et sont témoins que les peintres n'étaient pas seuls, les écrivains n'étaient pas seuls, les poètes n'étaient pas seuls. Et ça a fait une école. C'est ça l'école de Casablanca, en quelque sorte. C'est pas seulement les peintres. Parce que les peintres, sans une relation avec leurs confrères écrivains et poètes, s'il n'y avait pas eu cette relation, on n'aurait pas pu tisser un concept aujourd'hui que nous sommes encore en train d'analyser et d'étudier pour le porter à la connaissance du grand nombre de gens.